14 FRS 2507 Sébastien pour la présentation aujourd'hui donc d'une antenne verticale pour faire du portable portable donc essentiellement faite avec des éléments de récupération. Donc cette antenne déjà se compose par un fouet aluminium d'une hauteur à environ de 2,54 m. Donc ici vous apercevez donc le dernier brin qui sert grâce à au petit collier là pour le réglage du TOS tout simplement. Ensuite vous apercevez sur la vidéo la base de l'antenne. Donc mon fouet aluminium est fixé sur un morceau donc de fibre de verre, donc de récupération de ma Comet GP9. Tout simplement fixé avec des colliers plastiques. Voilà, cette partie fibre de verre va jusqu'au fond donc du support. Ici, vous apercevez donc la partie aluminium. Voilà, où est fixé donc les différents radians. Donc au total, j'ai mis 8 radians de plan de sol. Voilà. Quelques exemples de disposition de radians. Donc les radians sont directement posés sur la pelouse et chaque radian mesure 2,75 m. Donc en fin de compte, le câble coaxial, donc j'ai mis une longueur pour moi de 7 mètres jusqu'à l'appareil, donc est relié donc au radian, donc la tresse de masse du câble coaxial ici. Avec donc perçage donc du tube aluminium donc de chaque côté et les radians sont fixés dessus. Ensuite, vous avez l'âme du câble coaxial qui est donc fixée sur le tube aluminium. Donc ce que j'ai fait, moi j'ai mis un comment dire un dominant à l'intérieur. J'ai fixé directement donc l'âme du coaxial dessus. Et j'ai remis une petite molette pour maintenir le tout. Voilà. Ensuite, la partie aluminium descend dans un support, on va dire mât drapeau. À l'origine, ça tenait un drapeau qui est refixé sur une plaque donc de support tournant pour télé, tout simplement. Voilà, cette réalisation est très simple à faire. Voilà, je prends un petit peu donc de recul. Donc cette antenne me servira pour du portable. Hein. L'avantage, c'est que tout se démonte. Hein. Ici, on a la petite molette qui s'enlève totalement, donc ça permet de dissocier la plaque métallique de l'antenne. Voilà, donc c'est l'antenne brute qui vient juste d'être finie. À l'origine, j'avais mis 4 radians, et puis je me suis dit pourquoi pas en rajouter un maximum pour un meilleur plan de sol. Hop, donc le câble coaxial va bien au niveau de la maison. Donc on va aller voir et faire quelques essais contrôle donc de TOS pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Voilà, donc les conditions, donc l'antenne, fabrication maison extérieure et donc le CRT SS 7009. Je vais déjà. Allez, on va partir sur 505 pour commencer. Deux, trois tests. Le TOS ne bouge pas pour l'instant. Je vais passer en mode FM. Un, deux, trois tests. Un, deux, trois tests. Ça ne bouge pas, je vais voir un petit peu ce que ça va donner. C'est fraîchement fini. Là, sachant que l'antenne n'est pas taillée sur ces bandes-là, on va faire un essai quand même pour voir ce que ça peut donner. 1, 2, 3 tests. Donc 1, 1. Donc c'est pas si mal que ça. Mais c'est vrai que sur ces fréquences-là, j'y vais pas beaucoup. On va repartir un peu plus haut. Voilà, on va pas dépasser, hop, rester dans les bandes. 1, 2, 3 tests. 1, 2, 3 tests.
ça bouge pas. Un, je vais repartir en USB, sachant que le poste pour l'instant a une sortie donc est à la moitié au niveau des réglages. Ouais, ça bouge pas. La puissance, comme vous voyez, est donc à la moitié. Alors, ce que je vais faire, là, je vais mettre ça en pleine puissance. 1, 2, 3, test. Là, si, entre 1 et 1, 1. Ah, on n'avait pas vu qu'il y avait quelqu'un. On va repartir sur la fréquence. C'est plus calme ici. Voilà. 1, 2, 3, test. 1, 2, 3, test. Ça ne bouge pas, bah, c'est pas si mal que ça pour les réglages. En réception, par contre, la propagation me paraît assez calme. On va voir un petit peu ce que ça peut donner. Et bah, c'est pas trop mal hein, pour une antenne qui se situe à 25 cm du sol. En tout cas, ça a bien fonctionné. Hein. Je sais que cette antenne-là, moi, est fabriquée pour les points hauts, justement, sur le département 53. Donc, hâte de l'essayer. Voilà, donc les prochains essais de l'antenne suivront prochainement là pour un QSO, plusieurs QSO justement pour voir un petit peu les différents reports un petit peu à droite à gauche. Les bonnes 73, c'était 14 FRS 2507 Sébastien pour la présentation donc de cette antenne verticale. Portable, portable, 73, merci.